Bonjour ou bonsoir. Je fais encore, excusez-moi, encore une nouvelle petite vidéo d'exhortation. Par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit nous guide pour nous exhorter cette journée ou ce soir, en fonction de quand vous regardez. J'ai pas préparé le message, mais je crois que l'Esprit va nous conduire encore. Parce que Dieu est fidèle, Dieu veut que nous nous sanctifions, Dieu veut que nous devenions de plus en plus sages. Nous allons prendre un verset dans la parole, si vous voulez bien prendre vos Bibles, dans le livre de Hébreux chapitre. Donc l'épître aux Hébreux, épître aux Hébreux, juste avant l'épître de Jacques, chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le verset 14. La Bible déclare, je lis pour sa gloire, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc c'est clair, Dieu veut que nous nous sanctifions et que nous soyons en paix avec tous, même avec nos ennemis. Jésus dira, bénissez vos ennemis, aimez vos ennemis, et Jésus dira. Dans Matthieu chapitre 5, je pense. Matthieu chapitre 5. On va même le. Non, on va juste le mentionner comme ça. Il a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Nous, les chrétiens, on doit aimer nos ennemis. C'est le commandement du Seigneur Jésus. Et rechercher la sanctification. Il nous arrive de pécher. Mais. Il faut que nous nous repentions. C'est-à-dire, une fois que nous avons péché, nous demandons pardon. Nous identifions le péché et nous le confessons et nous repentons. C'est-à-dire, nous faisons en sorte que ce péché s'annule, ne disparaisse de notre vie. Avec le temps, nous allons prendre Colossiens. Avec le temps. Si nous faisons atténuer ces œuvres de la chair, parce que les péchés, c'est des œuvres de la chair, premièrement, lorsque l'on persiste ensuite dans la chair, le diable entre en jeu, mais d'abord c'est la chair, c'est nous-mêmes qui devons faire en sorte de renoncer à certaines choses et de faire croître d'autres. Et voilà celle auxquelles nous devons renoncer. Colossiens chapitre 3, le verset 8, l'apôtre Paul nous écrit. Je lis pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Les paroles équivoques, c'est des paroles qui ne sont pas claires et qui peuvent porter à confusion ou qui peuvent induire quelqu'un d'autre dans l'erreur. C'est-à-dire on dit quelque chose mais on le dit pas clairement ou alors on dit des choses avec des sous-entendus. Moi personnellement je sais que j'ai pu le faire, dire des choses qui parfois ont été mal comprises par d'autres, notamment même par des chrétiens ou des chrétiennes et j'ai demandé pardon parce que ça, c'est pas bon. Ça, on ne doit pas être une occasion de chute pour notre frère ni pour notre sœur. Bien sûr, on n'est pas parfait, mais on doit à tout prix éviter. Surtout lorsque c'est par écrit et que on a la possibilité de réfléchir à ce qu'on va transmettre comme message. Puisque lorsqu'on écrit, c'est pas comme lorsqu'on parle, on peut. On a le
temps de réfléchir, de penser avant d'écrire, par exemple, un message, un texto ou bien sur Messenger, etc. Donc voilà. Maintenant, donc je parle de deux choses différentes là, mais quoique c'est pas vraiment différent parce qu'il dit, je relis le verset Colossiens chapitre 3, verset 8. Il y a plusieurs éléments dans ce verset. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, 2, à la méchanceté, 3, à la calomnie, 4, 5, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Donc voilà, c'est. Ça a l'air extraordinaire, mais avec le temps, si nous avons la bonne volonté, si nous nous laissons guider par l'Esprit Saint, ces choses vont se réduire dans notre vie, voire même disparaître. Certains hommes de Dieu, certains grands êtres spirituels ont quasiment réduit, ils ont quasiment renoncé. Ça ne fait plus partie de leur vie, quoi. Ce type de sentiment, d'émotions destructrices. Avec la pratique, avec l'exercice, avec la persévérance, ils ont réussi à réduire quasiment à néant ce type d'émotion. Pour quel but au final? Eh bien, c'est très simple.